Parce que moi, à la base, je viens de Chine. Alors oui, je sais. Ça se voit pas. Pourtant, j'ai une bonne tête de... Bah, d'immigrer. Enfin, là-bas, bien sûr. Je suis restée 10 ans en Chine. Et depuis un an, je suis en France. Enfin, physiquement, je suis en France. Parce que, administrativement, je suis toujours dans le triangle des Bermudes. En Chine, il y a zéro papier administratif. Ils savent déjà tout. Mais la charge mentale que ça vous retire. Oh. Ding. Ding. Oh, c'est moi, deux secondes. Ding. Ding. Alors, oui. Premier conseil. En Chine, toujours se mettre en silencieux. Voilà. Ah bah, c'est l'administration chinoise. Elle me dit directement qui je suis sur mon téléphone. Il faut juste lire. Changzhe, Ershura, Shuryu et Batonian. 22 décembre 1989. Zhongwen Mingzi, Lao Wai. Nom chinois, Batu. C'est vachement mignon comme surnom. Oui, c'est bien mon numéro. Oui, c'est mes fleurs préférées. C'est mon restaurant préféré. Faut arrêter de me suivre, hein. Je déconne. Ça va être quoi après, ma taille de... Oui. Bref, t'as juste à valider. Ok. Voilà. Et après, si t'es pas d'accord, bah t'es quand même d'accord. Suffit d'accepter la vision qu'on te donne de toi. Voilà. Donc en Chine, quand je reçois, bing, oula, comme quoi, pour te mettre en silencieux, hein, t'es pas à l'abri que ça te pète à la gueule. Alors je reçois Didier, 45 ans, marié, 3 enfants, chef marketing sur Shenzhen, bah j'accepte. Je m'appelle Didier. Et après j'avance dans cette nouvelle identité, voilà. Alors qu'en France, le bordel! Tu dois remplir toi-même tes formulaires. Prénom, nom de famille, nom d'usage, nom d'artiste, nom de jeune fille de la mère, nom de jeune fille du père. Mais moi, ça dépend, hein, des jours, bah, du pays, de la pression atmosphérique. Et si mon moi, mon surmoi et mon ça sont pas d'accord, bah France Connect, mon cul. Avec le yoga, je connecte. Avec France Connect, ils sont même pas capables de comprendre que je m'appelle Didier. Mais merci la crise identitaire. Alors qu'en Chine, il y a un système révolutionnaire qui me rappelle sans cesse qui je suis. Par exemple, quand j'achète une pomme, c'est relié à mon numéro d'identité sociale. Donc, en gros, bah, on t'attribue un numéro dans le cloud, le Yuan. Alors, sans compte premium, hein, sans limite de stockage. Hein. Donc, toute ta vie tient dessus. Hein. C'est gratuit. Et c'est sécurisé par la crème de la crème de l'ingénieur informatique, le chinois dans sa cave. Du coup, t'es un numéro. Bon, après, moi, je le connais pas. Hein. Il n'y a que les gens importants qui ont accès, le gouvernement, la police et mon proprio. En tout cas, avec, tu peux tout faire. Et sans, il faut que tu l'aies, hein. Tu l'as. Et grâce à ça, tu peux voyager, tu peux... Voilà. En tout cas, en Chine, quand tu t'appelles Didier, pour voyager, t'apprends l'empathie. Voilà. Par exemple, je veux acheter un billet de train. L'employé au guichet ne peut pas me le donner. Je rentre en empathie. Je lui en veux pas. Je sais que c'est pour mon bien. Il y a un truc qui se passe. Une connexion, hein. Parce que je suis pas en train d'imposer ma liberté à l'autre. Voilà. Alors qu'en France, oh, le bordel.
Il y a tout le monde qui veut faire un truc, et c'est son truc qui prime sur le truc de l'autre. Bah, en gros, c'est chacun pour sa gueule. Mais arrêtons. Et apprenons à écouter l'autre. Et si on n'y arrive pas, mais laissons-nous porter par ce que l'autre nous dit de faire. Moi, j'ai fait ça pendant 10 ans, et ça va super. Je dis ça, c'est pour vous. Enfin, nous. Parce qu'en 10 ans, j'ai vu de l'intérieur la Chine devenir le beau pays protecteur qu'il est aujourd'hui. Quand tu combines un chef d'État aimant et un environnement digital au service de l'humain, ça donne un État-providence. Et mon petit pot me dit que ça arrive bientôt en France.